أوكي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 85, al-bab al-tasi' wal-ashrun. C'est le chapitre qu'on commence aujourd'hui, c'est le chapitre 29. Et le titre de ce chapitre, c'est Babun Maja'a fit Tanjim. C'est-à-dire, le chapitre, qu'est-ce qui a été rapporté au sujet de l'astrologie. Le Cheikh il dit, qala al-Bukhari fi sahihi, qala qatada, khalaqa Allah hadhihi al-Nujum li thalath, zinatan lis-sama' wa nujuman lish-shayatin wa alamatin yuhtada biha, faman ta'awwala ghayra dhalika akhta' wa adha'a نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى كلامه. شيخ الزي dans ce chapitre que l'imam al-Bukhari il a dit dans son sahih que Qatada a dit, un des tabi'in, Qatada, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé ces étoiles pour trois raisons. Donc il a créé ces étoiles pour trois choses. Première chose, pour embellir le ciel. Deuxièmement, pour lapider les diables dans le ciel. Et troisième chose, c'est des signes par lesquels on peut se guider dans la nuit, hein, ou dans, durant, quand on est dans la mer. Et quiconque essaie d'interpréter ou d'utiliser les étoiles pour autre que ça, alors il s'est trompé et il a égaré sa part. Et il s'est chargé de quelque chose ou il est rentré dans quelque chose dont il n'a aucune science. Ça c'est la fin de la citation de Qatada. Avant de continuer, il y a juste un point que je voulais mentionner à propos du dars d'hier. C'est comme le frère Lakhdar avait mentionné à propos du hadith qui rapportait selon Abi Daoud que Uqba ibn Amir a dit Zukirat الطيرة عند رسول الله on a mentionné الطيرة au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a répondu أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Premièrement, c'est un hadith ضعيف. Ce hadith il est ضعيف, j'ai vérifié, n'est pas authentique. Deuxièmement, dans toutes les copies ou les manuscrits de Kitab al-Tawhid, il y a la mention de Uqba ibn Amir. Mais dans certains shurouh de Kitab al-Tawhid, les ulama ont mentionné que Uqba ibn Amir c'est une erreur. Le narrateur de ce hadith, même j'ai vérifié dans Sunan Abi Daoud directement, c'est pas Uqba, c'est Urwa. C'est Urwa ibn Amir. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pour ça que le hadith, il est daïf. D'accord? Et il y a une autre narration également, l'autre dua qui est mentionné dans le même chapitre, le chapitre d'Al-Tayara, Man Raddathu Al-Tayara,
عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. C'est un hadith qui est daïf, hein, donc l'autre dua aussi, il est daïf. Et l'autre hadith qui suit, ou la parole de Al-Fadl ibn Abbas, ça aussi c'est daïf. Donc les trois, le premier dua, ainsi que le deuxième, et la dernière narration, hein, le dernier chapitre, c'est daïf. Et le sahabi qui, ou la personne qui a rapporté, c'est pas Uqba, dans l'isnad de Abi Dawood qu'on a mentionné tout à l'heure, mais c'est Urwa. D'accord? Donc, à ce sujet-là, c'était juste pour clarifier. Maintenant, pour revenir au chapitre 29 où on est rendu, le Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في التنجيم أي ما ورد من الأدلة على تحريم ذلك والنهي عنه. والتنجيم المراد به اعتقاد أن للنجوم تأثيرا في الحوادث وما يجري في هذا الكون. وقد يراد بالتنجيم معان أخرى يأتي تفصيلها. وهذا اعتقاد قديم كان في قوم نمرود الذين بعث إليهم الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل وبيوت العبادة، يعتقدون أنها تدبر أمر العالم، ولا يزال هذا الشر موجودا في العالم. الشيخ الزيكا الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى منسيني ce chapitre qui est le chapitre au sujet de l'astrologie, qu'est-ce qui a été rapporté comme preuve au sujet de l'interdiction de l'astrologie, hein, et le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par At-Tanjim en arabe, on veut dire le fait de croire que les étoiles ou les astres ou les constellations ont un impact ou une influence sur ce qui arrive dans les événements de la création et de l'univers. Et aussi, parfois, At-Tanjim, ça peut vouloir dire d'autres choses, et ça va être clarifié et détaillé au cours de ce chapitre. Ensuite, le Cheikh, il dit, cette aqida, elle est ancienne, c'est pas quelque chose qui est récent, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'humanité, c'est quelque chose qui est très ancien. Et, c'est ce que croyait, ou c'est ce qu'avait comme croyance le peuple de Nimrod. Et Nimrod, c'est un des rois à qui avait été envoyé Ibrahim alayhi salam. Ok? Et Ibrahim avait été envoyé à ce roi-là. Et ce peuple-là, on les appelle As-Sabi'ah. As-Sabi'ah, c'est déjà qui adorait les étoiles et les astres et les constellations. Et il construisait pour ces étoiles et pour ces constellations des hôtels, hein, et des temples pour les adorer. Et il croyait que ces astres et ces constellations avaient un contrôle sur qu'est-ce qui se passait dans le monde. Et il y a toujours des croyances semblables qui existent encore dans le monde aujourd'hui. Et c'est quelque chose c'est quelque chose qui est considéré comme quelque chose de mal, hein, sur le plan islamique. Et le cheikh dit, قوله قال البخاري في صحيحه. هذا الحديث يعتبر من البخاري رحمه الله من التعليق، والتعليق هو أن يذكر الأثر بدون إسناد، فإذا قال فلان بدون إسناد فهذا يسمونه بالتعليق، وهو على نوعين عند البخاري. النوع الأول تعليق بصيغة الجزم مثل هذا الأثر، قال قتادة، قال فلان. والنوع الثاني تعليق بغير صيغة الجزم، كأن يقول يروى عن فلان، فهذا يسمى تعليقا بغير صيغة الجزم، وهو أقل درجة من الأول. وقد جاء الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أساليب هذه المعلقات التي علقها البخاري في صحيحه، واستقصاها في كتاب سماه تغليق التعليق لتكون
ويتكون من ثلاثة مجلدات ضخمة. وقد طبع الكتاب والحمد لله. Donc le cheikh explique, il dit que l'imam Muhammad ibn Wahhab, il dit que l'imam al-Bukhari a mentionné dans son sahih, et le cheikh il dit que cette citation de Qatada qui a été rapportée par al-Bukhari dans son sahih, en réalité c'est une athar qu'on appelle ta'liq dans le livre de l'imam al-Bukhari. Ta'liq pourquoi? Parce que l'imam al-Bukhari il mentionne cette parole-là sans mentionner la chaîne de narrateur. Qu'est-ce qu'il fait l'imam al-Bukhari? Il écrit un titre pour un chapitre. Il choisit un titre pour un chapitre. Et après, pour chaque chapitre, il écrit un titre. Et avant de commencer à mentionner les hadiths dans ce chapitre, il va mentionner parfois une parole d'un tabi'i ou une parole d'un sahabi, hein, et il la mentionne parfois sans mentionner l'isnad. D'accord? Et ça on appelle al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat, c'est-à-dire des choses qui ont été mentionnées dans le livre d'Al-Bukhari sans isnad. D'accord? Sans chaîne de narrateur ou sans chaîne de rapporteur. Et les formes de ta'liq, elles sont de deux catégories. Ok? Dans le livre d'Al-Bukhari, les formes de ta'liq sont de deux catégories. La première catégorie, c'est celle qui est mentionnée avec une sorte de certitude, une sorte de, comment je pourrais dire, une sorte de confirmation. C'est comme si pour dire que c'est affirmé, confirmé ou affirmé que telle personne a dit, c'est dit d'une façon claire et directe. Comme par exemple, dans cet exemple qu'on a lu ici, le cheikh il mentionne, Imam al-Bukhari, il dit « qala Qatada ». Donc c'est clair que Qatada a dit, mais il le dit avec certitude, il le confirme. D'accord? Et donc ça c'est ce qu'on appelle sirat al-jazm, c'est-à-dire c'est dit dans une forme qui indique que c'est quelque chose de certain, ou c'est quelque chose qui, c'est vrai, c'est certain que c'est lui qui l'a dit. Toutefois, il y a une autre forme, parfois, qui est utilisée, c'est celle qui est indirecte, ou bien qui n'est pas mentionnée avec certitude de la même façon. C'est quand on dit par exemple, yurwa al-fulan, c'est-à-dire il est rapporté selon un tel, c'est-à-dire il est rapporté, on dit pas un tel a dit, on dit il est rapporté qu'un tel a dit, donc c'est comme si c'est pas certain, ou bien on le confirme pas de la même façon que lorsqu'on l'affirme directement, et celle-là on l'appelle ta'liqan bi ghayri sirat al-jazm, et c'est un niveau plus bas que le premier. Et le cheikh il explique que l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a écrit le charh de Kitab al-Bukhari, le Sahih al-Bukhari, et bien lui, il a écrit un livre qui s'appelle Tagliq al-Ta'liq. Et dans ce livre-là, Tagliq al-Ta'liq, il a ramassé toutes les mu'allaqat de l'imam al-Bukhari, qui sont, toutes les mu'allaqat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toutes les citations qui sont mentionnées dans le livre d'al-Bukhari, qui n'ont pas d'isnad, l'imam Ibn Hajar, il les a toutes mentionnées, et il a rajouté l'isnad qui n'avait pas été mentionné par l'imam al-Bukhari. Et c'est un gros, trois gros volumes, la chaîne de transmission, oui, isnad. Donc il a mentionné les chaînes de narrateurs que l'imam al-Bukhari n'avait pas mentionnées. Si la chaîne de narrateur n'est pas mentionnée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chaîne de narrateur. Ça veut dire que l'imam ou le savant qui a écrit ce livre, il voulait raccourcir le livre, et donc il a enlevé les asanides, il a seulement mentionné la dernière personne dans le hadith, comme le sahabi. Hein. Et c'est pour ça que quand vous lisez dans les livres de hadith aujourd'hui, ou dans les livres sur l'islam, comme même par exemple Arba'oun al-Nawawi, les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, vous allez seulement voir le nom du narrateur qui est tout de suite après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le sahabi, le compagnon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une isnad, mais sauf qu'on ne l'a pas mentionné l'isnad au complet pour que ça fasse plus court, et pour qu'en même temps, les gens ne s'ennuient pas en lisant les asanides, parce que la plupart des gens, ils ne connaissent pas l'utilité de l'isnad.
et ils ne savent pas non plus comment l'utiliser. Et donc, c'est pour ça que souvent, on ne les mentionne pas dans les livres. D'accord? Donc, le cheikh dit par la suite, « وَقَوْلُهُ قَالَ قَتَادَهُ قَتَادَهُ وَإِبْنُ دَعَامَ السَّدُوسِ الْإِمَامَ الْجَلِيلِ فِي التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ » Donc, « Al-Qatada » c'est qui? C'est « Ibnu Da'ama » As-Sadousi. Et c'est un grand imam dans le tafsir et dans le hadith et dans d'autres sciences islamiques également. « خلق الله هذه النجوم لثلاثة » يعني لثلاثة حكم. Allah SWT il a créé les étoiles pour trois sagesses, trois choses, hein, trois sagesses. Le Cheikh dit « Al-Faïda tul-Oula zilatan lissama » comme a dit ta'ala وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَلِأَنَّهَا سُرُجٌ تَتَلَأْلَأَ قال تعالى إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. Donc le premier point ou la première, le premier bienfait d'avoir créé les étoiles, c'est pour embellir le ciel. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les étoiles pour que le ciel soit beau quand on le regarde la nuit, hein, et donc ça fait comme une décoration dans le ciel. C'est quelque chose de très très beau, d'accord? Et Allah SWT dit ça dans le Coran, « وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ » Ça c'est dans Sourate Al-Mulk. Allah SWT dit, on a certes embelli le ciel le plus bas des cieux, c'est-à-dire notre ciel quand on regarde la nuit, Allah SWT il l'a embelli avec des étoiles, avec des lanternes. Hein? Pourquoi on l'appelle de cette façon-là, « مَصَابِيحَ » Parce que Masabih, c'est des lanternes, et en réalité, quand on les observe de la Terre, on a l'impression qu'elles scintillent. On a l'impression que les étoiles sont en train de scintiller, comme des lanternes. Donc, c'est pour ça que Allah SWT, il les appelle comme ça, Masabih. Et il dit également dans un autre verset, « Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi-zinatin al-kawakib » Allah SWT a embellit le ciel avec une parure qui sont les étoiles. Ensuite, le deuxième bienfait, le cheikh dit « Al-fa'idat al-thaniya, rujouman l'shayatin, wa dhalika li'anna shayatin yuhawiluna istiraq al-sam min al-mala'ika fi al-sama' wa ya'tuna bima yastasriquunahu ila al-kuhan min bani adam walakin Allah jalla wa ala hafidha al-sama' bihadhi al-shuhab التي تنطلق من هذه الكواكب فتحرق هذا المارد فتهلكه وخصوصا عند بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها حرست السماء بالشهب كما قال تعالى عن الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا استغربوا هذه الحراسة وهذه الشهب وكان ذلك مؤذنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولكن بقي من هذا شيء لكنه قليل. الشيخ explique comme deuxième point que Allah سبحانه وتعالى il a créé les étoiles comme pour lapider les diables et les shayatines. Parce que les shayatines, ils essaient de monter dans les cieux pour écouter les informations qui se sont transmises, qui sont transmises entre les anges dans les cieux. Et ils essaient donc de voler des informations qu'ils écoutent dans le ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc, il leur envoie des étoiles filantes sur eux pour les chasser. Et les informations que les djinns ont volées dans le ciel, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Les djinns avec ça, ils vont sur la terre, ils descendent avec sur la terre, ils la mélangent avec plein de mensonges, puis ils la donnent aux sorciers ou aux devins ou aux divins de bonne aventure, quelqu'un qui prétend connaître l'avenir, et ils lui donnent cette information-là, et donc, par la suite, eux, ils utilisent ça pour tromper les gens. Et donc, même Allah SWT il mentionne dans le verset de 1 à 9 dans Surat al-Jinn, il dit que les djinns, ils avaient l'habitude de s'asseoir dans les cieux pour écouter les informations qui étaient données. Et celui donc, les djinns disent, et ceux qui écoutent aujourd'hui, ils vont trouver une étoile filante qui
les poursuivent. Et il dit, et donc aujourd'hui on ne peut plus savoir qu'est-ce qui est voulu sur la terre pour quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose de bien ou de mal, ou une guidance ou un mal, on ne peut plus savoir. Pourquoi ils ne peuvent plus savoir? Parce que il y a des bolides qui protègent, qui défendent le ciel, toutes sortes d'étoiles filantes qui protègent le ciel, et en particulier ça c'était à l'époque de la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais aujourd'hui, il y en a encore de ça, mais c'est moins qu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-fa'idat al-thaniya, le troisième bienfait, al-fa'idat al-thalitha, alamatun yuhtada biha, qala ta'ala, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. وعلامات وبالنجم هم يهتدون فالله جعل للمسافرين علامات يستدلون بها في الأرض وعلامات في السماء والعلامات التي في الأرض السبل والفجاج والطرق التي جعلها الله في الأرض والجبال والأعلام الواضحة وأما في السماء فهي النجوم والشمس والقمر فالناس يستدلون بسيرهم في الطرق ولا سيما في البحار التي ليس فيها جبال وليس فيها علامات وكذلك في الليل يسيرون على النجوم وينظرون إلى النجوم ويعرفون بها الجهات فيسيرون إلى الجهة التي يريدونها وكذلك يستدل بهذه النجوم والشمس والقمر على القبلة في الصلاة لأنهم إذا نظروا إلى هذه النجوم عرفوا الجهات واهتدوا إلى Le cheikh explique, il dit que troisième point, ou le troisième bienfait d'avoir créé les étoiles, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créées pour qu'on puisse se guider, pour qu'on puisse les utiliser pour se guider. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que dans le verset 15 et 16 dans Surat al-Nahl, et il a mis les montagnes sur la terre pour pas que la terre tremble, pour pas que la terre bouge sur nous, pour la stabiliser. Allah a mis ces montagnes-là pour stabiliser la terre. Et également, il a mis les rivières, les ruisseaux, et des voies pour qu'on puisse se guider. Il a créé des chemins également pour qu'on puisse se guider sur la terre. Et également, des alamas, c'est-à-dire des signes. Et aussi, par les étoiles, les gens peuvent se guider également par les étoiles. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des étoiles des indications par lesquelles on peut se guider et s'orienter sur la terre et également dans les cieux. Le cheikh il dit que les indications sur la terre, c'est les chemins et les voies et les routes. Allah, il a fait de ces chemins-là sur la terre, dans les montagnes, et ça c'est des indications claires. On est capable de se diriger sur la terre parce qu'on reconnaît le paysage, on reconnaît des choses sur le chemin quand on marche. Ah, telle montagne, ça veut dire qu'on est rendu à tel endroit. Tandis que quand tu es sur la mer, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'indication. Tout autour que tu regardes de toi, 360 degrés, c'est le même paysage. C'est de l'eau partout. La même chose si tu es dans le désert, en plein milieu du désert, tu regardes tout autour de toi, tu vois quoi? Tu vois seulement du sable, et partout c'est pareil, il n'y a pas de distinction. C'est pas comme quand tu vas aller sur la terre, donc tu as besoin d'autre chose pour te guider. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ces étoiles, pour qu'on soit capable de se guider dans le chemin, dans la nuit, dans l'obscurité, soit dans la mer, ou soit sur la terre également. Non, parce qu'il y a des constellations, et elles ont on peut utiliser ces étoiles-là pour se guider dans la nuit, parce que il y a des moyens de savoir par rapport aux étoiles où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Oui, ça c'est l'astronomie, le fait de connaître les constellations puis d'étudier dans quelle position elles sont puis comment trouver le nord. Bien sûr, il y a des gens qui savent ça aussi, comme par exemple il y a une étoile qui s'appelle l'étoile polaire. Tout le monde connaît l'étoile polaire.
et une façon de la retrouver, et elle, elle indique le nord. Hein? Oui, c'est ça. Donc, il y a différentes choses comme ça que les gens utilisent comme façon pour se guider. C'est ça. Et les navigateurs, les premiers navigateurs arabes, ils avaient trouvé un appareil, comme un sextant, ils utilisaient un sextant pour se guider un sextant, ça s'appelle. C'est un appareil pour calculer notre position à partir des étoiles et des trucs comme ça. Puis l'astrolabe aussi, c'est un appareil aussi de ce même, dans ce genre-là. En tout cas, c'est des appareils que les gens utilisaient pour s'orienter et c'était basé sur le calcul par rapport aux étoiles. Donc, c'est ça ce que le chef explique. Il dit que les gens, ils peuvent utiliser les étoiles pour savoir les directions, dans quelle direction ils s'en vont. Et également, ils utilisent par exemple le soleil et la lune pour essayer de déterminer où se trouve la qibla, par rapport à quand est-ce que le soleil se lève, quel jour il se lève, et à quelle direction il se lève, pour savoir exactement où se trouve la qibla. Donc, tout ça, c'est des indications. Donc, le chef dit, فَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ خَلْقِ هَذِهِ النُّجُومِ خَلَقَهَا لِهَذِهِ الْفَوَائِدِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les étoiles pour ces fins-là, hein, pour ces bienfaits-là. أَمَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُزِيدَ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَكَمَا قَالَ قَتَادَةَ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ça va, Akhi? Walaykum salam wa rahmatullah Hassan. Ça va bien, Akhi? Barakallahu fik. Oui. Ça va bien, alhamdulillah. Le Cheikh dit, « Amma man arada an yuzid ala hadhihi l'umur al-thalatha alati zakaraha Allahu fi kitabih, fa kama qala qatada, fa man ta'awwala ghayra dhalika akhta, li'anna Allah lam yakhluqha lihada, لأنه أراد أن يحملها شيئا لم تخلق من أجله، فكأن يعتقد فيها أنها تدل على حوادث في الأرض أو هبوب الرياح أو نزول مطر أو موت أحد أو حياة أحد أو توفيق في أمر أو انخذال في أمر، فهذا كله من التقول والتطاول والخرص والتخمين وادعاء لعلم الغيب الذي ما أنزل الله به من سلطان. Le Cheikh dit que celui qui veut trouver à la création des étoiles une autre signification que les trois significations qu'on a mentionnées dans les exemples, eh bien, il a fait une erreur, comme Qatada l'avait mentionné. Il s'est trompé gravement. Parce que Allah n'a pas créé les étoiles pour ces choses-là. Donc celui qui essaie de dire ou de mettre sur les étoiles quelque chose pour lesquelles elles n'ont pas été créées, alors là, il a fait une grave erreur, comme on a dit. Comme par exemple, celui qui croit que ces étoiles-là peuvent indiquer certains événements ou certaines choses qui se produisent dans le monde. Celui qui croit que les étoiles indiquent des événements ou des choses qui se produisent dans la création, et bien ça fait partie des fausses croyances. Ou que, par exemple, les étoiles peuvent faire souffler le vent, ou bien descendre la pluie, ou bien faire mourir quelqu'un, ou indiquer que quelqu'un va mourir, ou que quelqu'un va vivre, hein, ou bien que quelqu'un va avoir le succès dans telle affaire, hein. Qu'est-ce qu'ils disent les astrologues dans les trucs d'astrologie? Ils disent, qu'est-ce que quelqu'un va avoir le succès dans par exemple son travail, dans ses affaires relations amoureuses avec une femme ou des trucs comme ça ou avec un homme, ou bien qu'est-ce qu'ils vont avoir dans leur succès professionnel, travail, des trucs de ce genre, dunya, oui. Donc tout ça là, ça c'est des exemples, hein, quelqu'un qui ou bien des gens croient qu'ils vont avoir le succès dans telle affaire ou qu'ils vont pas avoir le succès, qu'ils vont échouer dans telle affaire ou dans telle autre affaire. Tout ça, ça fait partie des mensonges et des choses que les gens ont inventées, hein, et ça fait partie de parler à propos des choses de l'invisible sans aucune autorité venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans aucune science. Et donc ça c'est, bien entendu, ça c'est haram, ça rentre même dans le kufr.
Le cheikh dit والنجوم لا تدل على هذا لأنها لم تخلق لهذا وإنما هذا يرجع إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. Les étoiles n'ont pas été créées pour indiquer quoi que ce soit de ces choses-là. Le seul qui connaît ces choses-là, qui ont rapport avec l'avenir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Allah al-Ghuyub. Celui qui connaît l'invisible, c'est Allah seul. فقوله تأول فيها يعني اعتقد فيها غير ذلك من هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله فقد أخطأ. وأضاع نصيبه أي نصيبه من الدين فهذا يقتضي أنه كافر أو يكفر وتكلف ما لا علم له به لأن هذا خرص وتخمين وحدس وظن لا يغني من الحق شيئا. Donc le cheikh il explique, il dit quiconque donc a parlé de Qatada quand il dit فمن تأول فيها, c'est-à-dire celui qui croit à propos des étoiles, autre que les trois choses qu'on a mentionnées tout à l'heure, alors il a fait une erreur. Parce que ces trois choses-là, c'est les trois choses qui ont été prouvées par le Coran, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que autre chose, ces autres choses-là que les gens prétendent à propos de qu'est-ce qui a rapport avec, par exemple, la connaissance de l'invisible ou de l'avenir, tout ça, ça n'a pas été prouvé par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est faux. Et quiconque a cru en ces fausses croyances-là, eh ben, il a perdu sa portion de la religion. Il a perdu sa part de la religion, c'est-à-dire qu'il est kafir, c'est-à-dire qu'il a mécru. Et il s'est donné comme, il est rentré dans une chose dont il n'a aucune connaissance. Hein. C'est en fait, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un genre de, c'est comme s'il essaie de deviner, ou comme il essaie de déterminer ces choses-là, de façon ou de moyens qui sont des conjectures et qui sont totalement fausses et qui n'ont rien à voir avec la vérité. Donc c'est ça ce que ça veut dire. Ben, c'est peut-être pas nécessairement de l'astrologie, mais ça fait partie aussi d'essayer de déterminer par exemple les caractéristiques ou le caractère d'une personne sans se baser sur rien de réel. Rien de vrai, rien de concret, parce que tu peux pas juste en se basant sur le nom d'une personne déterminer c'est quoi le comportement ou le caractère de cette personne. Il peut avoir combien de milliers de personnes qui ont le même nom, hein, et chacun d'entre eux a un tempérament, une personnalité, un caractère différent. Donc si tu trouves comme par exemple le livre dont la personne parlait. Une personne qui s'appelle par exemple, je sais pas moi, François, puis là il commence à donner son caractère, c'est une personne calme, c'est comme ça, eh ben tu vas rassembler ensemble 500 personnes qui s'appellent François, et tu vas voir qu'il n'y en a pas deux d'entre eux qui ont le même caractère, ni le même tempérament, donc ça fait aucun sens. Et c'est la même chose pour l'astrologie, la même chose. Tu vois que, dans l'astrologie, tu vois quelqu'un qui dit pas les gémeaux ou les béliers, aujourd'hui vous avez telle chose, et vous allez avoir telle chose, et tu vois qu'en réalité, il y a combien de personnes qui sont béliers ou gémeaux, et il n'y en a pas deux dans le monde, par exemple ce jour-là, qui vont vivre la même chose. Ils vont tous vivre des choses différentes. Et il y en a qui vont avoir du bien, il y en a qui vont avoir du mal, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit bélier ou qu'il soit pas bélier, ou qu'il soit gémeaux ou qu'il soit gémeaux, ou qu'il soit taureau ou vierge ou autre. Tout ça, ça a rapport uniquement avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour eux. Que ce soit quelque chose de bien ou de mal. C'est tout. Le fait que quelqu'un soit né de telle date à telle date, durant telle année ou telle année, l'année du scorpion ou l'année de du capricorne et tout, hein, ça fait pas de sens. Et il y a aussi l'horoscope chinois en plus, hein, et ça c'est autre chose, ça c'est d'autres signes. Le tigre, le cochon, le singe, le dragon, le sanglier, tout ça c'est des bêtises. Mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui croient vraiment à ces choses-là. Hein. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous rentrez dans un restaurant chinois ou un magasin chinois, un commerce, il y a toujours un chat avec une patte, et il croit que ça n'a pas de chance.
Il y a beaucoup de choses comme ça, des porte-bonheur chez les Chinois, là, ils sont très superstitieux, ces gens-là. Pas juste les Chinois, les Vietnamiens, en fait les Bouddhistes en général, et les Asiatiques sont très superstitieux. Donc ça c'est des exemples. Donc où en étions-nous? Oui. Donc après le chef dit وَرَخَصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أحمد وإسحاق وذكره وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه وذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق طلق لشيخ المنسيان على السيد إمام محمد بن عبد الوهاب يذكر قتادة ديتستيت تذيه لي ستة حرام qu'on apprenne les phases de la lune, hein, les phases de la lune. Et et également Ibn Uyayna, il n'a pas permis non plus rien à ce sujet-là, au sujet des phases de la lune. Et ça c'est rapporté par Harb selon Ibn Uyayna et Qatada. Ensuite, l'imam Muhammad ibn Wahab, il mentionne que Ahmed ibn Hanbal et Ishaq, ils ont tous les deux permis d'apprendre les phases de la lune. Ok? Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire, les phases de la lune, et d'apprendre les phases de la lune. Le cheikh dit, قَوْلُهُ وَكَرِهَ قَتَادَ تَعَلُّمُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَلَمْ يُرَخِصْ فِيهِ أو ولم يرخص ابن عيينة فيه يعني سفيان بن عيينة الإمام الجليل المحدث المشهور ومنازل القمر المراد بها المنازل التي ينزلها في الشهر وهي 28 منزلة 14 منزلة منزلة يمنية و 14 منزلة شامية ينزل في كل ليلة منزلة وعلامة هذه المنزلة نجم من النجوم المعروفة يقطعها القمر في الشهر أو في شهر وبينما تقطعها الشمس في سنة وكل منزلة 13 يوما وواحدة منها 14 يوما وهي القلب وهل يجوز تعلم هذه المنازل لمعرفتها من أجل الحساب على قولين donc le cheikh explique que comme on a dit tout à l'heure que Qatada et Ibn Uyayna ils ont interdit hein, ils n'ont pas permis d'apprendre que ce soit de ce qui a rapport avec la position et les phases des étoiles les phases de la lune pardon et c'est on parle ici de Ibn Uyayna c'est Sufyan Ibn Uyayna qui était un des grands imams parmi les imams de Ahl Sunnah, parmi les imams des Salaf Salih. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les phases de la lune? Mais là, le cheikh il explique de tout en rapport avec les phases de la lune. Et moi, je connais pas vraiment les détails de ça. Je vois qu'il explique quelques trucs là-dessus, mais moi, les explications qu'il donne, je comprends pas vraiment de quoi il parle. Parce que il explique, il dit par exemple que les phases de la lune, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est les phases ou les positions de la lune durant le mois. Et il dit qu'elles sont en 28. Elles sont en 28. Et il dit que il y en a selon le Yéménite ou la description du Yémen où elles sont 14 positions et selon les Chamiyas c'est quoi c'est la Syrie, elles sont 14. Donc 14 yéménites, 14 syriennes, et elle, dans chaque nuit, elle prend une position, ok, et il y a une étoile qui indique chacune de ces positions-là durant le mois, et c'est ça. Donc la lune, elle couperait cette trajectoire-là à chaque soir durant le mois
tandis que le soleil la coupe en a, ça prend une année pour qu'elle la coupe. Et chacun de ces positions-là, elle a 13 jours. Et c'est un peu compliqué, je comprends pas tous les détails de qu'est-ce que ça signifie. Ceux qui ont étudié ces choses-là, bien entendu, ils savent qu'est-ce que ça signifie, mais bon, moi, en ce qui me concerne, malheureusement, j'ai pas appris ces choses-là, donc je fais juste traduire ce qui est écrit, mais les détails, je les connais pas. Donc, il dit que, est-ce que c'est permis d'apprendre ces positions-là dans le but de faire des calculs? Il y a deux positions à ce sujet-là, parmi les ulama. Il y a deux positions parmi les ulama à ce sujet. La première position, القول الأول المنع وهو قول قتادة وسفيان بن عيينة لأن هذا وإن كان لا شيء فيه في نفسه إلا أنه وسيلة لأن يعتقد فيها ما لا يجوز فهذا من سد الذرائع فلا يتعلم منازل القمر عندها لأنه ربما يتدرج إلى اعتقاد أنها تؤثر في الكون وأنها لأنه زائد على الفوائد الثلاثة السابقة. La première position, c'est la position de Soufiane ibn Uyayna et de Qatada. Et leur position, c'est quoi? C'est de dire que c'est pas permis d'apprendre ces positions de la Lune. Pourquoi? Ils disent parce que même si c'est pas interdit en soi, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, toutefois, ça pourrait être un moyen qui pourrait amener les gens à croire au sujet de la Lune des choses qui ne sont pas permises. Et donc, ce serait un moyen pour eux, hein, par rapport à ces deux savants-là, eux, ils ont utilisé ça comme un moyen pour bloquer le chemin qui mène vers une fausse croyance. Comme par exemple, quelqu'un pourrait commencer à utiliser ça, puis par la suite, ça pourrait l'amener à croire que la Lune ou les étoiles ont un impact ou un effet sur la création et sur l'univers. Et donc, ils ont dit que dans ce cas-là, ça doit être interdit. Et aussi, le fait que c'est quelque chose qui est surplus ou supplémentaire, c'est-à-dire c'est quelque chose de plus que les trois bienfaits qu'on a mentionnés dans les explications qu'on a données plus tôt, hein, les trois exemples qu'on a donnés, pourquoi Allah a créé les étoiles, et bien cet exemple-là n'est pas mentionné. Toutefois, il y a une deuxième position. Le Cheikh dit « القول الثاني أنه لا بأس بتعلم منازل القمر وهذا ما يسمى بعلم التفسير وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وقول كثير من أهل العلم وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأجل ما فيه من الفوائد وعدم المحذور أما الممنوع فهو علم التأثير وهو اعتقاد أن هذه النجوم تؤثر في الكون وهذا هو الممنوع أما معرفة حسابها من أجل الفوائد من غير اعتقاد أن لها تأثيرا في الكون فهذا لا بأس به ولا يزال العلماء يتعلمونه ويعلمونه للناس لفوائده العظيمة. Donc le cheikh explique que la deuxième position c'est que il n'y a pas de problème d'apprendre les positions de la Lune. C'est permis. Et ça c'est ce qu'on appelle ilm al-tassir. Ilm al-tassir par opposition à ce qu'on appelle ilm al-ta'thir. Ilm al-ta'thir c'est de croire que les étoiles ont un effet ou une influence sur ce qui se passe dans la création ou dans le monde. علم التأثير ça c'est qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrologie et علم التسيير c'est qu'est-ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'astronomie c'est la différence entre l'astronomie et l'astrologie d'accord et donc l'astronomie c'est calculer d'utiliser les astres et tout pour faire des calculs pour déterminer par exemple les mois et les jours et les années ok et aussi pour être capable de déterminer par exemple les récoltes, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine, des trucs de ce genre, ça c'est correct, donc, si c'est pour cette utilisation-là. Donc le cheikh il explique ça, et il dit que parmi les savants qui ont dit que c'était permis, il y a l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam Ishaq ibn Rahouya,
et ça c'est deux parmi les grands imams des Salaf Salih. Et c'est la position de plusieurs parmi les savants de l'islam. Et c'est la position qui est correcte. C'est ce que l'imam Cheikh Al-Fawzan il dit, cette position-là, c'est celle qui est correcte, c'est celle qui est bonne. Inch'Allah. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bienfaits dans le fait d'apprendre cette science-là, hein, de connaître les calculs par rapport aux astres et aux étoiles et tout ça, et à la lune. Qu'est-ce qui est interdit? C'est une ta'fir, comme on a dit tout à l'heure, de croire que les astres peuvent avoir une influence ou un impact sur ce qui se passe dans la création. Ça, c'est interdit. Mais de connaître les étoiles pour calculer, pour faire des calculs, ça, il y a beaucoup de bienfaits, comme on l'a expliqué. Donc, il n'y a aucun problème. Et les ulama, ils l'ont toujours étudié, et les gens l'utilisent encore aujourd'hui, toujours pour tous les bienfaits que ça produit. وعلم التأثير ينقسم إلى ثلاثة أقسام كلها محرمة ولكن بعضها أشد من بعض. L'astrologie, bien la science de, ou bien plutôt, disons, le fait d'utiliser les astres pour essayer de croire qu'elles ont un impact ou un effet sur qu'est-ce qui se produit dans l'univers, ça se divise en trois catégories. Et les trois catégories sont haram. Mais il y a des catégories parmi elles qui sont plus dangereuses et plus graves que d'autres. D'accord. Bon, la première catégorie, القسم الأول, اعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تحدث هذه الحوادث الكونية وأن مصدر الحوادث هو حركات الكواكب وتشكلاتها. وهذا اعتقاد الصابئة وهو جحود للخالق سبحانه وتعالى واعتقاد أن هذه الكواكب هي التي تحدث هذه الحوادث وأنها هي التي بتشكلاتها وأحوالها ينتج عنها ما يحدث في هذا الكون من خير أو شر ومن صحة ومرض ومن خصب وجذب وغير ذلك. فهذا هو اعتقاد الصابئة وهذا كفر صريح بإجماع المسلمين. Donc la première catégorie qui a rapport avec « ilm al-ta'thir » ou bien de croire que les étoiles ont un effet sur la création, le premier degré ou la première catégorie de ça, c'est ceux qui croient que les étoiles, les astres, ont, c'est elles qui contrôlent et qui décident ou qui font que les choses se produisent dans l'univers. Les choses qui se produisent dans l'univers sont pour eux contrôlées par les étoiles. Et donc, yani, c'est eux qui croient, ils croient que c'est eux qui font bouger, hein, et qui font se produire les événements dans la création. Et ceux-là, c'est les sabi'a, ce qu'on appelle les sabi'a, comme on a mentionné tout à l'heure. Et ces gens-là, ils nient le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, ils nient le Créateur subhanahu wa ta'ala, et ils croient que ce sont plutôt les étoiles qui ont créé et qui dirigent qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Et yani, à cause des états des astres, etc., ils croient que c'est à cause de ça que se produit tout ce qui se produit de bien ou de mal, de maladie ou de santé ou autre chose de ce genre dans l'univers. Ils pensent que c'est à cause des mouvements des étoiles et des constellations. Et cette croyance-là, c'est la croyance qui fait partie de la croyance des sabi'a, hein, et c'est une croyance qui est kufr, et c'est un kufr clair. Et cette forme de kufr-là, elle est, disons, déterminée comme étant kufr par tous les ulama, et il y a un consensus des savants à ce sujet-là, que de croire en ça, c'est kufr. Que de croire que les étoiles contrôlent l'univers, ça c'est kufr. والقسم الثاني أن لا يعتقد أنها هي التي تحدث هذه الحوادث، ولكن يعتقد أنها سبب للتأثير. أما الذي يحدث هذا في هذا الشيء هو الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه أسباب فينسبها أو فينسب إليها إليها الأمور من باب الأسباب، وهذا أيضا باطل ولا يجوز، وهو شرك أصغر، لأن الله لم يجعلها أسبابا ولا علاقة لها بما يجري في هذا الكون أبدا من مطر من نزول مطر وهبوب رياح أو غير ذلك.
وإنما هذا راجع إلى تدبير الله سبحانه وتعالى لأمره وإذنه سبحانه وتعالى، وليس للكواكب علاقة بهذا غير أن الله خلقها للأمور الثلاثة التي سبق بيانها. Donc le cheikh explique ici, comme deuxième exemple, il dit que la deuxième catégorie de croyance par rapport aux étoiles, c'est la personne qui ne croit pas que ces étoiles-là peuvent créer par elles-mêmes, hein, il ne croit pas que c'est elles-mêmes qui ont un effet direct ou qu'elles créent elles-mêmes, sauf qu'il croit qu'elle est une cause dans les choses qui se produisent dans le monde, ok. Il croit que c'est Allah qui crée et qui a créé ces choses, ces choses-là dans l'univers et les choses qui se produisent dans l'univers. Sauf que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donc qu'est-ce qu'il crée, mais c'est les étoiles qui sont une cause dans qu'est-ce qui se produit par la suite. Et donc le cheikh il dit que ça c'est une fausse croyance, que c'est interdit de dire ça, et que c'est une forme de shirk mineur. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait des étoiles une cause lorsqu'il se produit dans l'univers. Et il n'y a aucun lien entre ce qui se produit sur la terre et dans la création et par rapport au, par exemple, à la tombée de la pluie ou à la montée du vent ou d'autres choses de ce genre. C'est pas les étoiles qui décident ça. Ok, c'est uniquement, ça revient uniquement au contrôle que Allah subhanahu wa ta'ala a sur la création et à son ordre et à sa permission, et non pas aux étoiles. Et les étoiles n'ont aucun lien avec ce qui se produit. La seule chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles pour les trois raisons qu'on a mentionnées au tout début. والقسم الثالث الاستدلال بها على الحوادث المستقبلة. La troisième catégorie de croyance par rapport aux étoiles, c'est qu'elles peuvent avoir, elles peuvent indiquer des événements dans l'avenir. Hein, comme on a parlé tout à l'heure de l'astrologie, c'est cette catégorie-là. De croire que les étoiles et le mouvement des étoiles et des constellations peuvent avoir une indication, peuvent nous indiquer qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir. Et le cheikh il dit à ce sujet-là, وهذا من ادعاء علم الغيب ومن الكهنة ومن السحر وهذا كفر بإجماع المسلمين وكل هذه الأمور الثلاثة اعتقاد أنها هي التي تخلق هذه الأشياء واعتقاد أنها أسباب لما يجري في الكون من الحوادث واعتقاد أنها تدل مجرد دلالة على أنه سيحصل كذا ورخص أو غلاء ومن تزوج في النجم الفلاني فإنه يوفق ومن تزوج في النجم الفلاني أو البرج الفلاني فإنه يخفق وما يسمونه بالبخت والنحس هذا كله باطل. Donc le cheikh il explique que ça fait partie de prétendre de connaître la connaissance de l'invisible ou de l'inconnu ou de l'avenir, et ça fait partie de la des gens qui prétendent être des devins ou des médiums ou des disciples de bonne aventure ou des trucs de ce genre. Tout ça ça fait partie du sihr, ça fait partie de la magie aussi, et c'est une forme de coffre, et il y a un consensus des musulmans à ce sujet là que c'est une forme de coffre. Donc toute personne qui prétend connaître l'avenir ou qui prétend connaître l'horoscope des gens par rapport à qu'est-ce qui va se produire par rapport aux étoiles, tout ça c'est coffre. Hein. Et le cheikh il dit que donc les trois choses qu'on a mentionnées là maintenant, c'est des différents degrés dans l'égarement des gens. Ok. Le premier qu'on a mentionné, c'est ceux qui croient qu'elles créent par elles-mêmes les étoiles, elles peuvent créer quelque chose dans l'univers. Ça c'est coffre. Ou bien de croire qu'elle est uniquement une cause dans ce qui se produit dans l'univers. Et ça, on a dit que c'est un shirk asghar, c'est un shirk mineur.
ou bien de croire qu'elles ne font qu'indiquer à qu'est-ce qui va se produire dans l'avenir. Et ça aussi, c'est une forme de kufr. On a expliqué ça aussi. Hein, que quelqu'un, par exemple, que si quelqu'un se marie durant telle étoile, il va avoir le succès. Ou s'il se marie durant tel signe, hein, ou telle étoile, il va avoir un échec dans son mariage, hein, ou des trucs de ce genre. Ou bien de croire que il y a toujours quelque chose de croyance par rapport à des superstitions de ce genre. Et si tu fais telle chose durant tel mois, ou durant telle saison, ou durant telle période de l'année, ben tu risques d'avoir un échec dans ton commerce, ou dans ton mariage, ou dans un autre événement de ta vie. Donc tout ça c'est des exemples. Le cheikh dit, et tout ça c'est faux. وهذا كله باطل وهذا ينشر في المجلات التي تصدر من الجهات من جهات غير ملتزمة بالإسلام وينشر فيها أبواب خاصة بالنجوم وأن في البرج الفلاني يحصل كذا ومن تزوج فيه أو باع أو اشترى يربح والنجم الفلاني يحصل ولا يصلح فيه شيء وهذا اعتقاد جاهلية أما علم الحساب المستفاد من منازل القمر لمعرفة مواقيت الصلاة ووقت بذر الزرع وغرس الأشجار وغير ذلك من المصالح فهذا ليس من الاستدلال بالنجوم على المحرم وإنما هو من علم الحساب والله خلق الشمس والقمر للحساب. Donc le cheikh dit que toutes ces utilisations-là des étoiles qu'on a mentionnées sont des utilisations qui sont fausses. Et on voit ça même des fois, il dit, le cheikh, dans des magazines, hein, dans certains magazines, à la fin, il y a toujours une section des horoscopes, même dans le journal, hein, le journal de Montréal, le journal de la presse et d'autres, il y a toujours une section pour les horoscopes. Et il marque dedans des choses de ce genre. Et le cheikh, il dit que, donc, tout ça, c'est des choses qui ont rapport avec des croyances de la période pré-islamique. Et tout ça, c'est interdit dans l'islam. Et ça fait partie du kufr et du shirk. Donc, quand on lit des trucs comme ça, on ne doit pas lire ces horoscopes-là. Hein. Hier, Allah Musta'an, j'étais dans un endroit public, je ne sais pas, dans une salle d'attente. J'étais allé voir le médecin, et j'étais dans la salle d'attente. Et là, il y avait la radio qui jouait, et il y avait une femme qui commençait à lire les horoscopes, et là, je ne savais plus quoi faire. Je ne sais pas si je devais me boucher les oreilles ou si je devais sortir. Mais dans une situation comme ça, il y a les Allah Musta'an, tu vois des gens qui parlent de ces choses-là, même dans les radios, dans les lieux publics, Allah Musta'an, c'est très grave. Donc, ça c'est des exemples. Et le cheikh dit toutefois, si quelqu'un par exemple, il veut apprendre par exemple le calcul, en se basant sur les positions de la lune et des trucs de ce genre, pour savoir par exemple les heures de prière, ou pour savoir à quelle date les récoltes vont éclore, ou à quelle heure les arbres vont commencer à porter des fruits ou des trucs de ce genre. Donc ça fait partie des choses qui sont permises. Et ça fait pas partie d'utiliser les étoiles pour des choses haram. C'est uniquement pour le calcul. Et Allah, il a créé la lune et le soleil et les astres pour les calculs, pour faire des calculs avec. Le cheikh dit, وهذه المفكرات التي تعلق على الجدران ويتداولها الناس لمعرفة مواقيت الصلوات هي من هذا النوع من العلم المرخص فيه والذي رخص فيه الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما سواء كان من الحساب الشمسي أو القمري كله من هذا النوع ولا بأس به لأن فيه مصالح للناس وليس فيه اعتقاد سيء. الشيخ دي كلي également les bloc-notes ou bien les comment ça s'appelle en tout cas les feuilles des heures de prière qu'on utilise pour se rappeler des heures de prière dans la journée qu'on accroche sur le mur et que les gens se distribuent entre eux. Ça, c'est pour connaître les heures de prière.
le cheikh il dit que ça, ça fait partie de cette catégorie-là d'utilisation du calcul des astres qui est permis dans l'islam, et parmi les savants qui ont permis une telle chose, c'est l'imam Ahmad, l'imam Ishaq et d'autres également. Et que ce soit un calcul basé sur le soleil ou sur la lune, hein, ça fait partie de cette catégorie-là qui est permise, et il n'y a aucun problème de les utiliser si c'est pour le bien des gens, sans qu'il y ait, ou sans que ce soit relié à une croyance qui est mauvaise et une croyance qui est fausse, d'accord. Donc le cheikh il dit ensuite, il y a une autre narration qui est rapportée, le cheikh il dit « وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر أو مصدق نعم مصدق بالسحر رواه أحمد بن حبان في صحيحه. Donc c'est rapporté selon Abu Musa al-Ash'ari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a trois personnes qui n'entrent pas au paradis. La personne qui boit, qui est alcoolique, hein, qui boit toujours d'alcool. La personne qui coupe ses liens de parenté, et la troisième personne, c'est celle qui croit en la magie, ou en al-sihr. Donc, ça c'est un hadith qui est rapporté sur Ahmad et Ibn Hibban dans son sahih, et il est hassan. C'est un hadith qui est bon, qui est hassan. Et donc, c'est un hadith qu'on peut prendre comme preuve dans la charia. Et, donc, l'imam, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. Il dit, قال عن أبي موسى وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري نسبة إلى جماعة في اليمن يقال لهم الأشعريين. أبو موسى c'est un grand صحابي qui s'appelle عبد الله بن قيس الأشعري. On l'appelle souvent أبو موسى الأشعري. Ça c'est sa kunya. أبو موسى c'est sa kunya. Et Al-Ash'ari, pourquoi? Parce que il fait partie d'un groupe ou d'une tribu au Yémen qu'on appelle Al-Ash'ariyin. Et il ne faut pas mélanger entre Abu al-Hassan Al-Ash'ari et Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, c'est le Sahabi. Et Abu al-Hassan Al-Ash'ari, c'est celui à qui est attribué la secte des Ash'ara aujourd'hui. Et ça, c'est deux personnes différentes. Abu Musa al-Ash'ari c'est un sahabi et l'autre c'est pas un sahabi, d'accord. Et donc ça c'est à ce sujet-là. Après le cheikh il dit wa Abu Musa hada min afadil al-sahaba wa ajla'ihim wa fudala'ihim wa qad tawalla a'malan jalilatan fi ayyam al-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa fi ayyam al-khulafa' al-rashidin falahu makanatun 'azima fi al-islam wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. وكان حسن الصوت بالقرآن واستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه. أبو موسى الأشعري c'était un parmi les meilleurs, parmi les plus méritoires, parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, un qui était les plus respectés et les plus méritoires parmi eux, et il avait de nombreuses qualités également. Il a fait de grandes choses durant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également durant les jours ou durant le règne des Khulafa al-Rashidin. Et donc il a un statut et une grande place dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit satisfait de lui et que lui soit également satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il avait une très belle voix lorsqu'il récitait le Coran, et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aimait écouter sa récitation, et il a souvent fait son éloge. Il a fait ses éloges lorsque il a récité le Coran. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة هذا وعيد يجرى على ظاهره ولا يؤول ولا يفسر لأن تفسيره وتأويله يقلل من أهميته فيترك على ظاهره للزجر والوعيد وإن كان أصحاب هذه الجرائم لا يخرجون من الإسلام ولكن هذا من باب الوعيد الشديد لهم. Le cheikh il dit que la parole dans ce hadith-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « trois personnes n'entreront pas au paradis », ça c'est une menace et on doit la laisser dans son sens apparent. On ne doit pas commencer à essayer de l'expliquer ou de l'interpréter, il faut le laisser tel quel. Parce que si tu commences à l'expliquer, à l'interpréter,
tu vas diminuer de son importance et ça va, les gens vont pas lui donner le respect qu'il mérite, ce hadith. Et donc tu le laisses tel quel, comme ça les gens quand ils l'entendent ils vont avoir peur, hein. Et le cheikh il dit, on le laisse tel quel pour que les gens sachent que c'est une menace et c'est un quelque chose qu'ils doivent donner pour faire peur aux gens par rapport à ces péchés-là, même si les gens qui font ces péchés-là ne vont pas sortir de l'islam, bien entendu, parce qu'on sait très bien que quelqu'un qui fait un grand péché, ils ne sont pas de l'islam pour avoir fait quelque chose qui est un péché, toutefois c'est pour être une grande menace, hein. Et le cheikh il dit, hein, que il dit ici « وَهُوَ وَهُمْ مُدْمِنُ الْخَمْرِ والمراد بالمدمن الذي يداوم على شرب الخمر ولا يتوب إلى الله منها. Donc مدمن الخمر en arabe ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui est alcoolique. Il continue toujours à boire et il ne se repent jamais de ce péché-là. Il continue toujours à le boire. Donc celui qu'on appelle مدمن الخمر. فشرب الخمر كبيرة من الكبائر أو من كبائر الذنوب ومن استحله فقد كفر ومن اعتقد تحريمه وشربه من باب الشهوة النفسانية فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ويعتبر فاسقا ناقض الإيمان وإذا ثبت عليه الشرب بإقراره أو بشهادة الشهود يقام عليه الحد 80 جلدة لأن حد الخمر شرع لصيانة العقل الذي هو أشرف شيء في الإنسان ويميز به الضار من النافع والطيب من الخبيث وبه يعقل الأمور يعقل أمور دينه وبه يمسك عن الأذى فإذا فقد العقل صار أحط من البهيمة فيؤذي ويضيع أخلاقه ومصالح غيره فلذلك زجر له عن شرب الخمر ووضع لها حدا في الدنيا ووعيدا في الآخرة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة فهذا وعيد شديد. الشيخ يقول que de boire de l'alcool ça fait partie des plus graves parmi les grands péchés et que celui qui le déclare halal, hein, il a mécru en islam. Et celui qui le boit tout en croyant que c'est haram de le boire, alors qu'il le boit juste parce qu'il suit sa passion, hein, et il suit ses désirs, alors il a fait un grand péché parmi les grands péchés et il est considéré comme étant une personne qui est faible, c'est-à-dire considéré comme étant un pécheur qui a une foi faible, hein. Et si on a confirmé que cette personne-là a bu, soit parce qu'il l'a reconnu lui-même, ou parce qu'il y a des témoins qui l'ont vu en train de boire, alors dans ce cas-là, on va établir sur lui la peine qui a été prescrite pour les gens qui font ce crime, ou qui font ce péché-là, et c'est-à-dire 80 coups de fouet. Et ça c'est la raison pourquoi Allah a établi une peine pareille, c'est pour protéger la raison de l'être humain. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus noble en l'homme? C'est sa raison. En fait, c'est sa raison qui le distingue des animaux et qui le distingue des autres créatures. Et lorsque l'être humain a sa raison, il est capable de distinguer en ce qui est bénéfique et ce qui est nuisible, en ce qui est bon et ce qui est mauvais. Toutefois, également, il est capable de distinguer par rapport aux choses qui ont rapport avec sa religion. Et il est capable de se retenir de tout ce qui est mauvais et nuisible pour lui. Toutefois, s'il perd sa raison, il devient quelque chose de plus bas qu'un animal. Il devient quelque chose de plus bas qu'un animal, et donc il se fait du tort à lui-même, et il fait du tort aux autres, et il perd également son comportement et son bien, hein, tout ce qu'il y a de bien pour lui dans cette dunya et le même. Qu'est-ce qui a rapport avec le bien de ses proches? Il y a des gens, par exemple, quand ils boivent de l'alcool, et bien par la suite, ils vont même avoir des rapports sexuels avec leur mère ou leur soeur ou avec des gens de leur famille parce qu'ils sont sous
ils ne réalisent même pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et la même chose quand quelqu'un prend de la drogue. Parce que l'interdiction dans l'islam pour al-khamr, c'est pas uniquement pour l'alcool qu'on boit, comme le raisin ou les autres trucs qu'on a fermentés, mais également pour toute forme de drogue, toute chose qui te fait perdre ta raison, il est haram dans l'islam. Hein, et il y en a qui pensent que c'est juste pour l'alcool liquide. Même les trucs qu'on utilise qui sont autres que l'alcool, c'est aussi considéré comme le khamr. Et ça rentre également dans l'interdiction, que ce soit de la marijuana, de la cocaïne, héroïne ou d'autres trucs qui sont utilisés par les gens, qui diminuent leur raison et qui leur fait perdre leur capacité intellectuelle et leur conscience, automatiquement ça devient haram, ça devient haram. Et ça fait faire à des êtres humains des choses absurdes, ridicules, et tu vois des gens qui ont été affectés par l'alcool à long terme, ou bien des gens qui ont été affectés par la drogue à long terme, et tu vois que ça a eu un impact, et ça a brûlé beaucoup de leurs cellules, et dans leur cerveau, et tu les vois un petit peu au ralenti dans la façon de parler, dans leur façon d'agir, tu vois tout de suite que ça a eu un impact très néfaste sur leur comportement et leur caractère. Donc ça c'est pour expliquer que l'alcool c'est un grand péché parmi les grands péchés, et Allah subhanahu wa ta'ala il a mis des menaces sévères au sujet de la personne qui va prendre l'alcool dans ce monde. Il y a une punition pour ça dans ce monde, et il y a également une menace dans l'au-delà. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui persiste à le boire, eh ben, il n'entre pas au paradis. Et donc ça c'est une menace très sévère. والثاني قاطع الرحم والرحم هي القرابة من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلة الأرحام واجبة في الإسلام بعد بر الوالدين، وهم الأولاد وأولادهم والإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم والآباء والأجداد. Le cheikh il dit que, deuxièmement, il y a dans ce hadith la mention de la personne qui coupe les liens de parenté. Et les liens de parenté, ce sont qui? Ce sont les gens qui sont soit de la direction ou de dans le sens du père ou de la mère. Les proches du côté du père ou du côté de la mère. Et donc, les liens de parenté, c'est obligatoire dans l'islam de les préserver. Hein, et ça fait partie de faire du bien ou d'agir, d'être bon envers nos parents. Et quand on parle de la parenté, on parle des enfants, de nos enfants et des enfants de nos enfants. Et on parle également des frères et des sœurs et de leurs enfants. Et on parle également des oncles et des tantes paternelles et leurs enfants. Et on parle également des oncles et des tantes maternelles et leurs enfants également. Et on parle également des grands-parents. Et des parents et des grands-parents. D'accord? فالأول من تجب صلته الوالدان بالبر بهما ثم الأولاد ثم الإخوة والأولاد وأولادهم ثم الأعمام والعمات وأولادهم ثم الأخوال والخالات وأولادهم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وإلى قوله تعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. Donc le cheikh explique que la première personne à qui c'est obligatoire envers qui c'est obligatoire de garder le lien de parenté, c'est en premier les deux parents en agissant bien avec eux, et ensuite leurs enfants, et ensuite les frères et les enfants des frères, puis ensuite les sœurs, bien entendu les frères et les sœurs, et les oncles et les tantes du côté paternel et leurs enfants, ensuite les oncles et les tantes du côté maternel et leurs enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran le verset 36 de sourate An-Nisa, et adorez Allah et ne lui associez rien, et
ayez de la bonté envers vos parents et vos proches. Et aussi, il mentionne dans le verset 33 dans Sourate Al-Isra, et votre Seigneur a ordonné que vous n'adoriez personne autre que lui, hein, et que vous soyez bon envers les parents. Et il a également mentionné dans Sourate Al-Isra, le verset 26, il dit, et donnez à vos proches leurs droits, de même qu'aux pauvres et de même qu'aux voyageurs. Donc le cheikh dit, فالقربة لها حق واجب ومن قطع هذا الحق فإنه يكون قاطعا للرحم وقاطع الرحم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وملعون في القرآن كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Le cheikh dit que les liens de parenté, ils ont un droit obligatoire sur nous, et quiconque coupe ce lien de parenté ou ce droit obligatoire, eh bien, il a coupé son lien de parenté ou son lien de sang. Et celui qui coupe son lien de sang, il a fait un grand péché parmi les grands péchés, et il est maudit dans le Coran. Alors, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 22 et 23 dans sourate Muhammad, il dit, فَأَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ. Si vous voulez tourner, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur la terre et de rompre vos liens de parenté? Donc ça c'est le verset. Et puis après Allah dit, et ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits, et donc il a assourdi leur, il les a rendus sourds et il a aveuglé leurs yeux. Hein, leurs yeux. Donc ça c'est la punition pour ceux qui ont coupé les liens de parenté, qui sont maudits par Allah. Et ensuite, le cheikh il dit, Wallah, Jalla wa ala, yaqulu lirrahim fi al-hadith al-qudsi, man wasalaki wasaltuh, ومن قطعك قطعته. وهذا وفي هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة وهذا وعيد شديد. الشيخ الزي كالله سبحانه وتعالى يجيب الحديث القدسي celui qui t'a gardé, qui t'a connecté, c'est-à-dire qui a gardé le lien de parenté, il s'adresse au lien de parenté. Allah سبحانه وتعالى il s'adresse au lien de ça, au lien de parenté, et il dit au lien de parenté, celui qui te garde, je vais le garder, et je vais le préserver, et celui qui te coupe, je vais le couper. Ok? Donc ça c'est une menace pour celui qui coupe les liens de parenté, hein, dans ce hadith-là, et également dans le hadith qu'on explique maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et il y a, il ne rentre pas au paradis, celui qui coupe les liens de parenté. Et la troisième chose qui est mentionnée dans ce hadith, c'est la personne qui croit en al-sihr. Et ça, c'est le point qu'on veut mentionner dans ce hadith. Al-thalith, musaddiqun bil-sihr. Wa huwa mahal al-shahid min al-hadith. Fa'in qulta al-hadith fi musaddiq al-sihr. Wal-bab fi bab al-tanjim. Fama al-munasaba? Qulna al-munasaba anna al-tanjim naw'un min al-sihr. Walamma lima ya'ti fi al-hadith. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد فالتنجيم نوع من السحر فلذلك أورده المصنف في هذا الباب. Le cheikh dit que la troisième chose qui est mentionnée dans ce hadith, c'est la personne qui rentre pas au paradis. Le troisième, c'est celui qui croit en la magie. Et donc ça c'est ce qu'on a voulu prouver par ce hadith-là. Et quelqu'un peut poser la question, pourquoi le cheikh lui mentionne ce hadith, alors que le hadith parle de sihr, et nous on est en train de parler de l'astrologie. Donc c'est quoi le lien entre l'astrologie et la sorcellerie? Et le cheikh explique que, At-Tanjim, l'astrologie, ça fait partie de la sorcellerie également. C'est une forme ou une catégorie de sorcellerie. Et il dit que, c'est prouvé par l'autre hadith qui dit, celui qui a cherché une branche de l'astrologie,
il a pris une branche de la sorcellerie. Et plus qu'il en prend, plus qu'il a, plus qu'il prend de l'astrologie, plus qu'il prend de la sorcellerie. Ça va ensemble. Donc, c'est relié ensemble et c'est pour ça que l'auteur, le Cheikh Mohammed al-Nulahab, il a mentionné ce hadith-là à ce chapitre-là. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المصدق بالسحر ومنه المصدق بالنجوم أنه لا يدخل الجنة وهذا بعيد شديد وقد يدخل الجنة لكفر وقد لا يدخل الجنة لكفر وقد لا يدخل حال معصيته وهذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ولتفسر والشاهد منه قوله ومصدق بالسحر والذي منه التنجيم وعلى كل حال فالواجب على المسلم أنه يحذر من هذه المشكلة وهذه وهي مسألة التنجيم التي لا يزال شرها موجودا في الناس الشيخ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم informé que la personne qui croit hein, la sorcellerie et parmi ce qui fait partie de la sorcellerie c'est l'astrologie, s'il croit en ça, il n'entre pas au paradis. Et ça, c'est une menace sévère, et ça peut impliquer qu'il ne rentre pas au paradis à cause de sa mécréance, et ça peut également impliquer qu'il ne rentre pas à cause de son péché. Et le cheikh, il dit que, donc, dans ces hadiths-là, il y a des menaces sévères, et on doit les laisser tels qu'ils sont, à leur sens apparent, et on ne doit pas les expliquer, hein, les interpréter. Et le cheikh il dit que le point dans ce hadith-là qu'on cherche à mentionner comme preuve, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et la personne qui a cru en un sihr. Et parmi qu'est-ce qui fait partie du sihr, c'est at-tanjim, c'est-à-dire l'astrologie. Et de toute façon, le cheikh il dit que l'obligation pour le musulman, c'est de s'éloigner et de prendre garde de tous ces problèmes et de toutes ces questions et parmi ces problèmes-là, il y a la question de l'astrologie qui est toujours présente parmi les musulmans, parmi les gens d'aujourd'hui. Et donc, il faut faire attention au sujet de ces choses-là. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, on va continuer la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.